C'est vrai que bon, là on est tous les deux. Je me suis pas mal baladé sur le campus et c'est vrai qu'on entend pas mal parler de la pollution. T'en penses quoi? T'as quoi à me dire sur ce que j'ai pu me balader comme ça et c'est vrai que je l'ai constaté moi aussi. Moi, je profite qu'il n'y ait pas de caméra pour en vrai vous dire que je dois vous avouer quelque chose, donc ne répétez pas. Je profite qu'il n'y ait pas de caméra pour vous l'avouer. Mais concernant la pollution, on cache pas mal de choses. Là, je peux parler de Rennes, des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine en particulier, mais dans toute la France, mais c'est surtout en Bretagne qu'on cache des choses aux gens. Par exemple, tous les mondes. On cache à tout le monde la vérité, la dangerosité de ce qui se passe en ce moment. Et j'ai vu quelques vidéos qui dénoncent. Enfin, heureusement, ça n'a pas fait le buzz, ces vidéos qui montrent la pollution. Par exemple, j'ai vu même sur le campus à Rennes, j'ai vu des étudiants faire des vidéos, faire des montages. Et c'est vrai que les algues vertes, elles polluent l'eau que nous consommons, là, je dois vous le dire. Et on est au courant, et malgré ça, on fait rien qui change les choses. C'est triste, mais tant que vous ne le répétez pas, voilà, on a vraiment perdu le contrôle concernant la pollution. Donc, ce problème des algues vertes, ça va devenir un petit peu compliqué à cacher plus longtemps, puisque plus le temps avance, plus on observe une quantité de pollution qui est très importante dans les fleuves, dans l'eau des robinets, des douches. On a déjà eu des gens qui se sont plaints, beaucoup de gens, des centaines de gens qui se sont plaints. Et en Ille-et-Vilaine, c'est là que la pollution est le plus touchée. C'est là que la population est le plus touchée. Donc voilà la vérité, le gouvernement ne sait plus ce qu'il fait. Et personne ne réagit. C'est terrible, mais c'est comme ça, j'en fais partie. Je suis conseiller à la mairie, je suis au courant de ce qui se passe. Et malheureusement, je dois vous dire, vous devez payer vos impôts, mais vous savez maintenant où vont vos impôts. On participe activement à la recherche pour savoir comment régler ce problème, et malheureusement, il n'y a rien qui se passe.